Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, une séance de renforcement musculaire pour tout le corps. Aucun muscle ne sera épargné. Mais on commence tout de suite par un petit échauffement. Allez, c'est parti. Allez, on inspire, on se grandit. Et on souffle. Encore, inspirez, grandissez-vous et on va relâcher tout en bas. On met les pieds parallèles, mains sur les genoux et on déroule. Mains aux épaules et on fait des cercles avec les coudes. Toujours le ventre serré, les épaules bien basses, on tire sur la tête. Et dans l'autre sens. Allez, on va loin derrière, loin devant. Et tape sur le côté. Allez, on fléchit bien les genoux. Bras sur le côté. Et en haut. Reprends sur le côté. 4, 3, 2, et en haut. Allez, côté sur 4, 3, 2, en haut sur 4. Côté. En haut. Et reprends côté sur deux. En haut. Allez, on fléchit un peu plus les jambes. Et on va chercher un peu plus loin. Dernière fois. Talons, fesses. Genoux. Reprends talons. 4, 3, 2, genoux. Allez, talons avec les bras. Et genoux avec les bras. Reprends talons et genoux. On alterne talons, genoux. Dernière. Et step touch. Genoux bien fléchis. On baisse les épaules et prend les bras en alternance en haut. Et côté. Allez, on fléchit bien les genoux. Reprends en haut sur 8. 2, côté. 4, 3, 2, en haut. 4, 3, 2, côté. En haut. Côté. Et alterne en haut. Et côté. Allez, on fléchit un peu plus. Toujours les épaules bien basses. Dernière. Et marchez.
Allez, tout en marchant, on inspire. Et soufflez. Allez, sans marcher, on inspire, on se grandit. Et on relâche. Allez, on commence tout de suite avec le renforcement pour les jambes et les bras. Allez, on commence les jambes écartées, pieds bien parallèles. On va descendre en squat, les fesses bien en arrière. Les genoux au-dessus des chevilles et on remonte. Et on y va, on souffle, en remontant, on serre le ventre, on serre les fesses. Allez, hop, un peu plus vite. Alors ici, on va faire un squat, remonter, croiser la jambe derrière, revenir en squat et croiser la jambe de l'autre côté. Toujours les genoux fléchis, on descend. Allez, un peu plus rapide. Squat, croise, squat, croise. On fait attention aux genoux qui ne dépassent pas les orteils. Allez, on reste à droite, petit à droite, ici. Et reprends, alterne. Et on reste à gauche. Petit rebond. Et reste ici, squat. Souffle. On reste en bas. On descend un peu plus. On va poser les mains. Éloigner les jambes. Posez les genoux et ici on descend en pompe. Allez, encore 4. Et reviens. On se remet sur les orteils. On avance les pieds. On déroule. On inspire et on relâche. On reprend tout ça. On y va. Pied de largeur. Et on descend. Souffle. Allez, encore 4. 3. On va croiser, descend, croise, descend, croise. Allez, les genoux toujours fléchis. Et reste à droite, petit. On garde le sourire et reprend en alternance. Et on reste à gauche. Reprends squat, souffle. Quatre, trois, deux. On reste en bas. On va poser les mains
et éloignez les jambes. Alors ici, vous pouvez poser les genoux ou non. Et on reprend les pompes. On souffle, on monte. Allez, les trois derniers. Et relâchez. On remet sur les pieds. On réavance. Genoux fléchis. Et on déroule tout doucement. Allez, on va aller chercher son tapis. Allez, on est sur son tapis. On va s'allonger tout simplement. Les jambes fléchies. Les pieds bien près des fesses. On va monter ici les fesses. Serrer les fesses. Puis on va se mettre sur les talons. Une fois qu'on est bien, on serre toujours les fesses, on garde toujours les fesses bien hautes. On va avancer les jambes. Sans baisser les fesses. Et on revient. Et on repart. Et revient. Allez, sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. Dernière fois. On reste en haut, on pose les pieds et ici on serre, on relâche. Serre, relâche. On agrandit, on descend et on monte. Encore 4, 3. On n'oublie pas de serrer les fesses quand on est en haut. Et reposer. On se balance, on revient assise, en position assise. On va mettre les mains derrière les fesses. Les doigts regardent les fesses. Les pieds sont au sol. Là, pour le moment, on garde les fesses au sol. On fléchit, on tend. On fléchit, on tend. On évite d'ouvrir les coudes, bien les coudes vers l'arrière et on tend au maximum. Allez, on souffle en remontant. Allez, on tend bien. On reste ici. On décolle les fesses. Et cette fois-ci, on reprend avec les fesses décollées. Allez, encore 8. Trois, deux, et relâchez. On repose les fesses. À nouveau, on attrape l'arrière des cuisses et on s'allonge. Et cette fois-ci, on met les pieds au plafond, les bras le long du corps. Et tout simplement, on va décoller les fesses. On ne cède pas des mains. On serre tout simplement le ventre pour décoller les fesses. On ne balance pas trop les jambes. Encore 4, 3, 2, 1. On reste ici et on balance, on fait la pendule. On reste à droite, puis on reste à gauche, et on rebalance.
3, 2, 1, on revient. On fléchit les jambes, on les pose au sol et on reprend tout depuis le début. Allez, on commence par décoller les fesses. On monte bien haut, on serre les fesses, on se met sur les talons et on avance. Et on recule. Allez, soufflez bien, gardez les fesses bien hautes. Dernière fois. On reste ici. On serre bien les fesses. Et on revient. 4, 3, 2, 1. On pose. On garde les fesses bien hautes. On serre, on relâche. On serre, on relâche. Deux, un, et on pose, on remonte. Quatre, trois, deux, on reste en haut, on ferme les genoux, on ouvre les genoux. Toujours les fesses serrées, toujours les fesses bien hautes. Encore 4, 3, 2, allez, dernière fois, on remonte, on redescend. Et 4, 3, 2, 1, et on repose tout doucement. On se remet assis. Donc soit vous vous balancez, soit vous passez par le côté. On commence facile sur les fesses. On se rappelle bien de la position. On fléchit, on souffle. On fléchit, on tend et on souffle. C'est mieux comme ça. Allez, les coudes vers l'arrière. Pas sur les côtés, bien vers l'arrière. Alors, si cet exercice vous fait mal au poignet, vous pouvez tout à fait faire ce mouvement. Je fléchis, je tends. Je fléchis, je souffle, je tends. D'accord ? Le coude ne bouge pas, juste les avant-bras. Sinon, on continue comme ça. Allez, avec les fesses décollées, on fléchit, on tend. Allez, on complique un peu, on tend la jambe en même temps qu'on fléchit les bras. Allez, en alternance. Toujours les coudes vers l'arrière. Allez, encore 4. Et repose. Délicatement, on repose les fesses. On attrape l'arrière et on s'allonge. On reprend ici, pieds au plafond, les bras le long du corps et on décolle les fesses. Soufflez, monte. Contractez vos abdominaux pour décoller les fesses. Encore 4, 3, 2, on reste en bas et on fait la pendule. On reste à droite,
On essaye de détendre, de descendre un peu plus. Sans décoller les hanches. Et on change de côté. On revient au centre. On peut mettre les mains sous les fesses si on veut. Et ici, on va ouvrir et fermer. Allez, 4, 3, 2, on reste ouvert, on fléchit, on tend. Reste tendu, dernière fois, ferme et ouvre. Allez, les quatre derniers. Et relâchez. On fléchit les jambes, on met les tibias parallèles au sol. Et ici, vous allez pousser sur vos genoux. Et les genoux, les cuisses résistent. Donc, on pousse au niveau des cuisses et les cuisses résistent. Les genoux bien au-dessus des hanches. On y va. On inspire, on souffle, on pousse. Et relâchez. Encore une fois, inspirez, soufflez, poussez. Allez, on travaille son transverse. Et relâchez. Allez, on ramène les genoux à la poitrine et on passe à quatre pattes. Allez, un dernier exercice pour les abdominaux. Alors, vous allez poser les mains et tout simplement, vous allez avancer les mains. Tiens au bout et on revient. Alors attention, je ne veux pas voir de fesses qui bougent. On serre bien ses abdominaux pour garder les fesses bien parallèles au sol. On tient au bout et on revient. Allez, encore une fois. Et une dernière. Allez, on tient bien. Et on revient tout doucement. Allez, on s'assoit sur les talons, on va étirer le dos. On ramène les mains près des genoux, on déroule tout doucement. Et on va passer au stretching. Allez, on se met en position assise. Les jambes comme vous voulez, tendues, fléchies. Allez, on inspire, on se grandit. On va faire le dos rond, on va s'asseoir sur le coccyx, tirer les bras loin devant. Rentrer le ventre. On inspire, on ouvre et on va partir loin derrière avec les bras, les épaules bien basses. On étire la poitrine. On pose la main droite et on va incliner à droite. Allez, ouvrez bien la poitrine, regardez devant ou le plafond. On pousse sur la main, on revient. Allez, on recommence de l'autre côté cette fois-ci. On inspire, on se grandit, on baisse ses épaules. On souffle, on relâche. On fait le dos rond. Menton sur la poitrine. On inspire, on ouvre, on étire la poitrine. On pose la main gauche et on incline. Et
Et on revient. On va monter le bras droit. On va attraper son coude. Soufflez, poussez bien sur le coude pour bien étirer ici l'arrière du bras. On change de côté. On inspire, on souffle, on pousse. Relâche le tout. Allez, on attrape l'arrière des cuisses, jambes fléchies, on s'allonge sur le dos. On ramène les deux genoux à la poitrine. Allez, soufflez, baissez vos épaules, relâchez tout. On garde le genou droit. Et ici, on va allonger la jambe. On fléchit. On monte la jambe droite, la jambe gauche, pardon, tendue. Pied flex. On souffle, on ramène. On pose la cheville sur le genou, on attrape la cuisse ou le genou, comme vous voulez, et on ramène le tout à la poitrine. On pose, on décroise. Cette fois-ci, on ramène l'autre genou à la poitrine. Toujours les épaules bien basses, on se décontracte. On allonge la jambe au sol. On fléchit, on tend l'autre au plafond. On ramène vers soi. On pose la cheville, on ouvre bien et on ramène le tout à la poitrine. Allez, posez, décroisez, posez les deux jambes. On décolle les fesses, on va étirer les abdominaux, on met les mains dans les reins, on étire un peu plus. Relâche les mains, on repose tout doucement. On se balance ou sur le côté, on se redresse. Allez, dernière fois, on inspire, on se grandit. Et relâchez le tout. Et voilà, notre séance de renforcement musculaire est terminée. J'espère que cela vous a plu. On n'oublie pas les petits pouces. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine.